Bonjour, mon nom c'est Elisabeth Fortin. Je suis éleveuse d'alpaga chez Alpaga d'Or et artiste feutrière. Et bienvenue sur ma terre locale. Ça ici, ah, celle-là, c'est la petite puce. C'est la petite puce qui est rendue grande que vous avez vue naître. Bonjour, Chantou. Alors, le filmage que vous avez fait au courant de l'été, c'était à la naissance de la petite Chantou qui est là. Elle est rendue grande. Bon. Alors, l'installation pour la tonte, c'est ici. Donc, ce qu'on fait, c'est évidemment, on amène l'alpaga comme tel sur un licou, attaché comme on les traîne comme un chien, là, vraiment avec un petit harnais au visage, et on les amène comme ça sur le licou. Et on amène l'animal, on guide l'animal jusqu'au bord de la table ici, les pattes avant et arrière. Et ensuite, on va monter la strap autour de la bédaine. Fait que c'est juste pour... Il y a une personne qui va être ici à l'arrière qui va juste retenir la strap ici pour être sûr que l'animal reste contre la table. Et on retient la tête aussi. Fait que la tête est ici, les fesses l'autre bord. Fait qu'il y a une personne de ce côté-ci qui va tenir la tête et l'autre personne qui va tenir les fesses. Et on fait tout simplement faire pivoter la table, comme ça. Donc, l'animal se trouve avec la tête ici, le corps au complet. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attacher les pattes avec les straps de chaque côté. Donc, les pattes d'en avant, les pattes d'en arrière. Et c'est vraiment pas compliqué. On fait juste attacher l'équivalent de... On trouve l'os de l'animal pour pas le blesser. On met ça autour de sa patte. Puis, on fait une petite strap. Alors, l'animal n'est pas blessé. Il est juste retenu. Le fait de le retenir comme ça, en fait, c'est vraiment très important. C'est pour pas qu'il bouge pendant la tombe puis pour pas le blesser. Bonjour, Vogue. Tu viens nous voir? Elle ne connaît pas ça, c'est une petite fille née de cette année. Alors, elle va avoir sa première tonte au printemps prochain. Donc, une fois que l'animal est bien couché sur la table, ce que je fais, souvent, on est juste mon conjoint et moi. On aime ça faire la tonte à deux, c'est plus calme pour l'animal, il y a moins de stress. Des fois, on va être un gros groupe, on s'entend, peut-être deux, trois personnes qui viennent nous aider pour le plaisir de voir c'est quoi la tonte des alpagas. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui va tenir la tête et lui chanter une petite chanson pendant la tonte. Sinon, on s'est tout simplement fait des sacs comme ça, avec un tissu solide, avec du sable dedans. Fait que je fais juste mettre ça comme ça autour du cou. Ils ont des très longs coups. Fait que je mets ça autour du cou, juste assez haut, proche de la tête. Puis c'est juste un petit poids qui va faire en sorte qu'ils vont pas se relever la tête, ils vont pas bouger, ils vont rester plus calmes. Fait que juste, c'est comme s'il y avait une petite main qui les retenait tout le temps. Ça les blesse pas, c'est vraiment juste pour... En fait, c'est pour éviter les blessures, le fait qu'on les retient comme ça. Alors, ils vont être étirés. Souvent, moi, je vais laisser même une patte détachée. Je vais attacher juste trois pattes, puis j'ai une patte sur le dessus qui est détachée pour que l'animal se sente plus à l'aise aussi. Une fois que l'animal est bien placé, alors là, c'est l'étape de tonte qui commence. C'est vraiment un gros rasoir comme on utilise pour les moutons ou pour d'autres animaux à fibres. Et moi, j'ai choisi un modèle qui est vraiment facile à manipuler. C'est un des plus légers. Puis que le bouton « on off » est sur le dessus parce que c'est plus facile. Il y en a qui sont ici, puis on manipule moins facilement. Alors, là, je fais vraiment... Je commence par le silhouette. Tu veux-tu te faire tomber, ma grande? Je commence par la toison du... le blanket, qu'on appelle la couverture, qui se trouve à être le dos
tout le dos jusqu'à la bédaine, c'est la partie la plus belle de l'animal. C'est un peu comme nous, les poils de jambes vont être plus corsés un petit peu, les aisselles vont être plus corsées un petit peu. Fait que c'est vraiment des... Il faut les séparer. Il faut, faire attention de ne pas mélanger les fibres vraiment plus corsées avec la fibre de dos qui est la plus fine. Donc, ce que je fais, c'est que je fais tout ça. Et le cou aussi, quand j'arrive à faire la tonde au niveau du cou, c'est le cou qui va être le plus court au niveau de l'animal. Alors, je ne le mets pas avec la toison de dos, je les sépare aussi. C'est juste au niveau du traitement de la fibre à la fin, quand je vais arriver créer mes produits. Je ne vais pas mélanger les fibres de différentes longueurs parce que ça va faire un produit moins uniforme. Alors ça, c'est pour la tonte. On fait la tonte au complet d'un côté et ensuite, on détache et on tourne l'animal et on fait l'autre côté. Et là, encore dans mes outils bien sophistiqués, ça me sert pour ramasser la fibre, la toison qui tombe. Et je prends la toison et je vais la poser ici, flouc, sur mon grillage pour faire le triage de ma fibre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ma récolte 2014. En fait, une partie de ce qui me reste parce que j'en ai déjà traité plusieurs toisons. Je dirais que j'ai déjà une vingtaine de toisons qui sont partis que j'ai travaillé avec. J'ai 59 animaux présentement, fait qu'il en reste une trentaine à travailler au courant des prochaines semaines et mois. Alors là, je vais lui donner un petit peu d'air parce que c'est compressé pas mal. Ça, c'est ma belle Sweet and Sassy, qu'elle s'appelle. C'est une femelle qui a 6 ans, je crois, 5-6 ans. Donc, elle a quand même une très belle fibre, vraiment une très belle fibre au niveau de la finesse, mais un peu plus courte parce qu'elle est un peu plus âgée, donc moins longue. Quand ils sont très jeunes, ils peuvent avoir jusqu'à 6-7 pouces de longueur. Puis en vieillissant, ils vont avoir 4-5 pouces. Puis rendu à un certain âge, ils vont donner juste 2 pouces et demi, 3 pouces. On peut quand même se servir tout le temps de la fibre. C'est juste les produits qui vont être différents. Alors, je ne sais pas si vous voyez assez bien la structure, mais on voit ici les mèches qui sont toutes formées ensemble. C'est vraiment... puis c'est super blanc. Vous voyez, les pointes sont un petit peu sales, mais ils sont tellement denses, leur toison, que la saleté ne se rend pas jusqu'en bas. Puis c'est pas gras, c'est vraiment une fibre sec, déjà très douce. C'est comme je vous disais, comme au niveau du lavage, là, j'ai vraiment pas besoin d'utiliser des produits chimiques pour laver ça. C'est vraiment juste un petit savon doux. Alors, à l'étape de triage, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tout ce qui est pas uniforme. Parce que je veux que toutes mes fibres soient pareilles. Alors, je me prends un petit échantillon à quelque part dans le milieu ici. Un petit échantillon comme ça. Et ce que je veux, c'est que tout le tour de ma toison complet soit pareil comme ça. Au niveau de la longueur, la structure, la finesse, tout ce qui n'est pas pareil, je vais le retirer. Donc, par exemple, j'arriverai ici puis je dirais, bon, ça c'est la section du... c'est le torse. Qui est du poil un petit peu plus rugueux, un petit peu plus corsé. Alors là, je le retire. Je fais un triage. Une fois que le triage est complété, que j'ai séparé, que ma toison, elle est vraiment toute belle, j'enlève toutes les fibres, les poils plus corsés, les bris, les cochonneries que je ne veux pas. Là, je m'en viens ici. Et là, c'est le tumbler. Le tumbler, c'est un gros tambour, tout simplement. J'ai déjà de la fibre dedans, en fait. Bien, je vais l'ouvrir après. Mais on va tout simplement partir ça. Et c'est un tambour qui tourne comme ça, qui fait fluffer la fibre. Il y a des petits, comme des petits clous à l'intérieur, bien, des gros clous en fait, mais c'est des clous en plastique, là, c'est pas dangereux, qui ouvre les fibres, qui ouvre la fibre un petit peu, puis qui aide à la faire aérer. Puis ça, ce que vous voyez en dessous, bien, c'est pas juste de cette toison-là, mais c'est l'accumulation de poussière et de cochonnerie qui tombe. Là, il y a un petit peu de foin qui n'a pas rapport, là, mais la poussière qu'on voit ici. Les débris ici, c'est les petits poils, la petite saleté qui va tomber, que tout ce qui s'enlève là, bien, ça ne se ramassera pas dans mon produit fini. On ne veut pas avoir de ces petits brins-là qui ne seront pas doux. Ensuite, on ouvre et, oups, on dévoile la belle fibre de Viriato. Et ça, c'est un beau petit brun chocolat. Et celle-là, elle est prête, une fois toute tumblée, elle est prête maintenant à aller à la laveuse. Pour laver la fibre,
ce que je fais présentement, c'est que je la mets dans des sacs, les petits sacs qu'on attache avec un zipper, là, avec des petits trous dedans qu'on met des sous-vêtements ou des vêtements délicats. Je remplis plusieurs sacs avec la fibre comme ça. Et ensuite, je la dépose tout simplement dans ma laveuse. Je remplis ma laveuse à chargement vertical. Je la remplis avec de l'eau très, très, très chaude. Un petit peu de savon, un savon très doux. Et là, je vais déposer mes sacs de fibres dedans, tout simplement pour les faire tremper. Je ne vais pas faire agiter la laveuse. Machico! Je ne vais pas faire agiter la laveuse parce que ça va faire feutrer la fibre ensemble. Il ne faut pas que les poils viennent tout pogner ensemble. C'est vraiment juste pour laver, enlever le plus gros de la poussière encore là. Fait que je vais faire tremper une heure, deux heures, trois heures. Je laisse tremper le temps que ça... C'est pas nécessaire de le laisser tremper toute la nuit, mais généralement, je fais un 3-4 heures de trempage. Bonjour, cocotte. Tu viens voir ce que je fais? Bonjour. Puis après ça, je vais laisser l'eau, je vais vider l'eau de la laveuse. Je laisse essorer au spin complètement pour vider l'eau des sacs. Et je vais remettre de l'eau chaude. Je fais deux rinçages, en fait, un lavage et deux rinçages. Puis ensuite, ça va être, je le sors des sacs et là, je le mets sur une table, un grillage pour tout faire sécher la fibre comme il faut. Une fois qu'elle est sèche, ça peut prendre une journée à peu près à sécher, dépendant de l'environnement, si c'est bien humide ou pas. Si je la retourne ou pas, si c'est ventilé. Moi, je la fais sécher à l'intérieur sur des grillages, avec un petit ventilateur de plafond. Fait que ça, généralement, dans une journée, c'est bien sec, mais comme il faut. Et puis, une fois que c'est séché, là, je vais passer à mon atelier pour réellement faire les étapes de charpilleuse et de cardage et de feutrage, toutes les différentes étapes pour faire les produits finis. Là, c'est, on vient de faire la tonte. On a, dans le fond, après la tonte, je vous ai montré, on fait une base de triage pour que la fibre soit séparée en différentes sections. Et là, je vais travailler avec mes toisons. Ça peut être plusieurs mois après la tonte ou tout de suite après, mais généralement, c'est plusieurs mois plus tard. Alors ici, j'ai Saranade. Tu vois, c'est sa tonte de 2013. Présentement, je suis en train de travailler sa tonte de 2014, mais je vais vous montrer quand même Saranade, qui est une de mes belles filles, une belle couleur acajou très rare. Et ça, c'est la toison qui a été tondue et non pas lavée encore. Donc, on voit en l'ouvrant le crimp, le caractère de la fibre et tout ça. Fait que normalement, ce que je ferais, c'est je ferais le triage, ce que vous allez voir, ce que je vous ai montré tantôt, le triage, si elle avait été complètement triée, et ensuite, je l'aurais lavée. Elle serait déjà lavée. Là, elle n'est pas lavée. La fibre, elle est toute... On voit encore la structure de la fibre. Mais si elle avait été lavée, elle serait déjà un petit peu plus en moton, là, étant donné qu'elle a été lavée. Mais l'étape que je ferais après le lavage, c'est ici. Ça s'appelle un « picker » en anglais. Une écharpilleuse en français. C'est un outil de torture, un petit peu. Si on voit les clous, oups, je vais enlever ça ici. Ça, c'est mon truc de protection. Alors, c'est tout simplement une pendule. De cette façon-là, c'est manuel. Et j'entre la fibre de ce côté-ci, avec mon outil sophistiqué, pour me protéger, bien sûr. Je fais tout simplement pousser et l'effet de pendule, comme ça, les petits clous vont se trouver à ouvrir les fibres. De cette façon-là. Et on voit de l'autre côté, ce qui sort, c'est des nuages. Il y a un petit peu de noir à travers, c'est l'animal qui était là juste avant, j'avais travaillé du noir. Alors, on part d'une fibre qui est toute structurée et on se ramasse avec des nuages comme ça. Ce que ça fait, c'est que ça ouvre les fibres, comme vous voyez, et ça va en même temps enlever un petit peu la poussière qui peut rester. Malgré que j'ai déjà fait des étapes et qu'elle est déjà lavée, il en reste tout le temps un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, on passe à l'étape du cardage et ça va être le prochain équipement. Alors maintenant, j'ai la fibre de Encore ma belle Saranade qui est toute écharpillée ici. C'est l'étape qu'on vient tout juste de faire. Et je m'en viens à la cardeuse. La cardeuse, ce que ça va faire, c'est que ça va brosser les fibres pour me créer, bon, de la fibre, on dit soit de la fibre cardée ou des nappes de fibres. C'est du batting en anglais, c'est le terme le plus commun. Là, je m'amuse un petit peu à enlever les petits brins de foin parce qu'il y en a toujours beaucoup. Plus la fine est plus la fibre, elle est fine au niveau de la douceur, de la finesse de chaque poil, plus les petits brins de foin pognent dedans. Fait qu'elle va toujours avoir des petites cochonneries, je la secoue. Elle était lavée déjà, mais les petits brins de foin, déjà, ils restent pognés dedans. Puis deux fois, il va en avoir un ou deux petits brins de foin dans mes produits finis. Alors, la cardeuse, c'est une cardeuse électrique. Je suis vraiment très, très, très chanceuse d'avoir cet équipement-là. En fait, c'est un équipement qui est... C'est fabriqué au Canada et puis je pense qu'il y en a peut-être une douzaine qui ont été faits. Le monsieur est à la retraite et il n'en fait plus.
Je l'ai eu, ça fait à peine deux semaines. Là. C'est un tout nouvel équipement, je suis bien excitée. Fait que, avant, je travaillais avec une cardeuse beaucoup plus petite que celle-ci. Alors, je mets une mince couche comme ça de fibres et ça va tout simplement. Il y a trois rouleaux qui prennent la fibre, qui vont la brosser et elle va se rouler autour du tambour à l'arrière, qui est le plus gros tambour. Mais si on veut avoir un produit fini de qualité, c'est sûr qu'il faut y aller de façon plus raffinée. On enlève le plus possible des petits brins de foin. Puis on pourrait faire, si je veux faire un produit un peu plus brut, mais j'aurais pas besoin de faire autant d'espace, autant d'étapes, pour arriver à un produit fini vraiment quasiment au niveau commercial, là, quand c'est vraiment des produits haut de gamme. Alors, ma petite brosse ici, c'est simplement une brosse que j'appuie sur mon tambour principal parce que la fibre, elle est tellement délicate, justement, elle est fine. Elle a un petit peu de misère à s'accrocher. Fait que je fais tout simplement un petit brossage comme ça. Je la laisse aller, elle va suivre le rythme du tambour comme tel, l'angle des petites dents. Et ça va se trouver à aplatir un petit peu la fibre qui est déjà dessus, ce qui fait que les prochaines fibres que je rentre, ils vont pouvoir rentrer. Il y a 6 grades différents. Celle-là avec laquelle je travaille présentement, c'est du bébé. C'est le grade bébé, en fait, c'est le grade 2. C'est ce que les gens considèrent vraiment le plus doux à porter contre la peau pour faire des foulards vraiment très, très doux. Le grade 1, c'est encore plus fin. C'est le grade royal, donc pour faire des dentelles, des trucs vraiment très, très, très doux. On peut aussi faire des foulards, mais c'est vraiment le luxe extrême. D'ailleurs, j'en ai une qui m'a commandé un foulard, un châle avec une fibre royale. Alors, c'est dans mes projets courant de la semaine ou la semaine prochaine de lui faire ça. Mais il y a vraiment 6 grades différents. Alors là, je travaille avec, le grade bébé. Ensuite, on parle du super fin, qui est le grade 3, qui est encore assez fin pour faire des produits qu'on porte pour la peau, contre la peau. Puis un peu plus gros, donc à la base, un peu plus résistant pour des produits qu'on va porter tous les jours, des foulards, des mitaines, des trucs de ce genre-là, des tucs. Ensuite, on va avoir le grade adulte écorcé, donc les grades 4-5 plus élevés. Ces grades-là, moi, je ne recommanderais pas de faire des produits qu'on porte contre la peau parce qu'on va avoir une petite sensation de picotement. Quelqu'un qui est vraiment très sensible à ça, moins que certaines laines. À la base, la laine, les gens qui ne sont pas fragiles à la laine, ça ne les dérangerait pas. Ils pourraient porter de l'alpaga corsé puis ça ne ferait pas de différence pour eux. Quand je leur montre des fois, moi, je leur dis ça, c'est trop doux. C'est pas assez doux pour moi pour faire un foulard. Eux autres, ils sont vraiment surpris de voir que c'est très doux à leur opinion aussi. Mais c'est ça. C'est pour éviter, pour les gens qui sont vraiment beaucoup plus sensibles, il faut juste s'assurer que chaque grade est utilisé pour le bon produit. Donc, avec le grade vraiment plus corsé, là, je vais faire des semelles, des pantoufles, des tapis. C'est bien assez doux pour faire un tapis, mais pas pour contre le cou, contre le poignet ici, où est-ce qu'on est, on est plus sensible un petit peu. On va juste la laisser tourner un petit shot. Voilà. Alors, une fois que le tambour n'est pas encore plein, mais je vais vous montrer comment je ferai pour retirer la fibre et qu'est-ce que ça donne une fois retirée la nappe d'alpaga. Parce que là, on se trouve à avoir juste la fibre enroulée sur le tambour, hein, faut faire quelque chose avec. Une fois que tout est roulé autour, alors là, je tourne mon tambour pour trouver l'endroit où j'ai une petite ouverture ici qui me permet de retirer ma nappe. J'ai un outil encore très sophistiqué, un petit peu plus dangereux que l'autre. Et je fais tout simplement passer mon outil dans la petite fente et j'ouvre. En fait, c'est comme se faire une petite mèche, hein? C'est le même principe. Alors, je fais tout simplement ouvrir comme ça. Et là, il n'y en a pas une grande épaisseur. Je vais vous le montrer comment on le retire, même s'il est beaucoup plus mince. Là. Mais normalement, je pourrais en mettre encore plusieurs couches là, jusqu'à ce que le tambour soit complètement rempli. Fait que là, j'en ai enlevé juste une petite ouverture comme ça et je vais descendre. Et c'est assez rudimentaire comme outil pour retirer la fibre, mais ça fait la job.
C'est tout simplement un plastique avec un petit morceau de bois dessus. Oups! Je suis en train d'attaquer ma minette. Je tourne comme ça et je dépose ma fibre, mon petite ouverture. Je la coince. Et une fois coincée, là, on fait tout simplement tourner. On tourne, on tourne, on tourne. Et là, j'en ai vraiment pas épais, alors ça fera pas beaucoup de fibres, mais je vais juste montrer le principe. C'est comme ça. Puis j'irai jusqu'au bout. Je ne dois pas le retirer parce que je vais carrément la rebrosser. Je trouve qu'il est trop mince. Mais j'irai jusqu'au bout. Et une fois retiré, en fait, ce que ça donne, c'est ça. Là, c'est la même que je suis après travailler dessus. Et je les mets en couche ici, une par-dessus l'autre. Alors, on voit la largeur du tambour. Mon tambour, il a 18 pouces, je crois. Mais une fois étendu, étant donné que la fibre est vraiment brossée puis toute bien serrée, plus d'air, bien, ça fait très, très condensé, très serré. Et quand je la déroule, bien là, elle vient toute fluffée. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment ce qu'on appelle des nappes. Et c'est à partir de cette étape-là que là, je vais créer mes produits feutrés. Donc, c'est l'avant-dernière étape, en fait, si on veut, pour faire le produit. Alors là, je suis à l'étape où je ferai la création de mes châles, mes foulards, en fait, du tissu que je vais créer pour mes produits. Et j'utilise la nappe. En fait, ça, c'est une toute petite nappe, comme vous avez vu la grande tantôt. Mais celle-là, c'est vraiment un petit bout. Et ce que je fais, c'est que je couvrirai complètement mon espace de travail ici. Je ne vais pas tout faire le processus parce que ça serait beaucoup trop long, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je mettrais une nappe comme ça d'un sens, mais en fait, je mettrais une très mince couche. Je vais la diviser un petit peu. J'y vais dans. Pas mal mince. Je mettrais une mince couche comme ça. Une autre couche dans l'autre sens. Alors, je fais du croisement. Je vais dans l'autre sens. Je mets encore une troisième couche, quatrième couche, dépendant de l'épaisseur du tissu que je veux obtenir. C'est tout brossé, ça se tient bien. Et là, je mets le nombre de couches que je veux et je mélange déjà mes couleurs à ce point-ci. Fait que si je veux faire, par exemple, ça, c'est un des produits un exemple d'une grande veste, d'un grand cap que je fais, mais chaque couleur provient d'un animal différent. Fait que j'utilise aucune teinture dans mes produits, étant donné qu'il y a tellement de couleurs d'alpaga. Vous voyez le papillon? Bien, c'est tout simplement la création que j'ai fait ici en utilisant différentes couleurs. Fait que, par exemple, je mettrais du noir. C'est vraiment... Pour moi, ma fibre, c'est mon pinceau. Fait que ça, c'est mes petits restants de fibres qui sont... quand je travaille sur un produit qui me reste des petits bouts, ça, c'est mon pot de peinture qui est là. Chaque pièce est unique. Fait que là, j'utiliserais ça si je veux faire juste des petites taches de couleur de cette façon-là. J'utilise différentes couleurs. Je rajoute du blanc, je rajoute... Donc, dépendant de ce que je veux faire, j'y vais très vite. Là, je fais pas un design très sophistiqué, hein, comme vous voyez. Je vais rajouter encore un petit peu de noir. Et en fait, ce que je fais pour faire une cape de cette grandeur-là, bien, vous avez deviné que je couvrirai mon espace de travail au complet. Alors, j'utiliserai mes nappes, j'en utiliserai en mince couche. Autour de trois nappes pour couvrir mon espace de travail au complet, un sens, encore un autre, l'autre sens, troisième couche, quatrième couche. Et déjà, dans mes couches, je peux changer de couleur. Là, j'ai mis juste une couleur là, d'épaisseur, mais si je veux que mon produit soit réversible complètement de couleurs différentes d'un bord et de l'autre, je peux faire sur une base de brun, et deux, trois couches, puis ensuite rajouter des couches de beige ou de fauve ou de blanc pour faire vraiment un contraste des deux côtés. Une fois que j'ai fait ça, que tout est bien... très beau design. Pas très sophistiqué ce que j'ai fait là. Alors là, je m'en vais sur mon aiguilleuse. Métier à feutrer ou aiguilleuse, dépendant du terme qu'on veut utiliser. Ça se trouve à avoir des aiguilles à feutrer dessus. Des aiguilles à feutrer, c'est des aiguilles qu'on peut utiliser de façon classique à la main pour se faire des petits produits. Je ferai une petite boule et je pique dedans comme ça pour
faire une forme et on peut créer des sculptures. Fait que je fais des petits alpagas, des bijoux, des trucs que je fais vraiment à la main comme ça, tout piqué, concours de patience. Mais l'objectif ici, c'est de faire un plus grand tissu, très uniforme. Alors, mon aiguilleuse se trouve à avoir autour de 700 aiguilles dessus, au lieu de juste une, ce qui me permet... Puis elle a 66 pouces de large, ce qui me permet de faire un tissu de 66 pouces de large, presque à l'infini. Je pourrais faire du métrage de tissu si je veux. Alors, le concept, c'est que l'aiguille, elle a des petites bosses dessus, juste assez pour accrocher dans la fibre. Ce qui va faire, étant donné que j'ai mis des croisements de fibres comme ça, l'aiguille, elle monte et elle descend. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça va faire mélanger les fibres d'en dessous vont remonter, celles d'en bas vont descendre et en haut vont remonter, ils vont toutes s'entremêler et ça va finir par faire un croisement de fibres. Donc, en anglais, ils disent c'est un non-woven fabric, un tissu non tissé. Donc, c'est pas tricoté, c'est pas tissé, c'est vraiment juste entremêlé. Je vais vous montrer la première passe que ça donne. Si j'avais un grand tissu, alors là, c'est des petits rouleaux ici qui tournent. Et ils ont des petites grooves aussi, des petites coches dans le rouleau comme tel pour aider à accrocher dans le tissu. Et je vais juste pousser doucement pour l'aider à partir au début. M'assurer qu'il rentre comme il faut. Et voilà. Alors, on voit déjà la différence. C'est quand même déjà un tissu qui se tient. Il est moins feutré de ce côté-là que de ce côté-ci. Juste une première petite passe de même, ça l'a déjà tapé un petit peu. C'est pas un tissu qui va se tenir, là. Il faut que je le passe 6 à 12 fois dans la machine. Alors, c'est pas la première passe qui va faire le résultat final. À ce point ici, je pourrais encore décider que, ah, il y a trop de noir, je vais en enlever un petit peu. Donc, ça me permet beaucoup de laisser erreur. Là, si je fais une erreur, si je trouve que je trouve qu'il n'y en a pas assez, je peux encore faire des ajouts jusqu'à la troisième passe. Après ça, là, c'est ce que je vais rajouter. C'est préférable de ne pas en rajouter trop loin parce qu'il y a déjà un feutrage qui est commencé. Puis les fibres qu'on va rajouter ne vont pas se tenir aussi solidement. Alors, je dirais deuxième, troisième passe, on peut encore jouer avec. Et comme je vous disais tantôt, des petits brins de foin, il y en a tout le temps. Outils sophistiqués pour retirer les petits brins de foin. Encore là, un petit concours de patience si on veut avoir un produit de très haute qualité. Quand j'ouvre ma lumière ici, on voit juste ça, les petits brins de foin, après avoir fait une passe ou deux. Alors, j'en ai une autre là. Et là, je le tournerai, je le passe une autre fois, je le flippe de ce bord-là, alors de tous les côtés, 6 à 12 passes, jusqu'à ce que le tissu soit vraiment bien feutré, assez ferme. Une fois que j'ai fini ça, là, ce que je ferais, ça serait l'étape de feutrage à l'eau. Pour faire une meilleure finition, en fait, pour que le tissu se resserre complètement, le feutrage à l'eau, je vais pas le faire ici, parce que je le fais dans la maison, je ne vais pas vous le montrer, mais c'est tout simplement laver dans l'évier avec de l'eau chaude, de l'eau très chaude, du savon, un savon très doux et de l'agitation. Alors, c'est là où je finirais tous mes bords, je brasserais le tissu un petit peu sur tous les côtés pour que tout se resserre comme il faut. Je fais une coupe de bon rinçage, le choc, un contraste d'eau chaude, eau froide pour en faire serrer les fibres ensemble pour qu'ils se choquent réellement. Et une fois que ça c'est fait, là, je le passe carrément dans le spin de ma machine à laver juste pour l'essorer, pour qu'il soit complètement, que l'eau se retire au maximum. Je laisse sécher à plat et là, je vais revenir ici à ma presse qui est juste ici. Et c'est l'étape de finition réelle que je vais tout simplement presser à la vapeur mon tissu au complet. Donc, des fois, j'ai un grand tissu. Je vais passer le tissu au complet, tout bien pressé pour vraiment fixer le tissu à la fin.
Le produit final, en fait, c'est réellement les créations qui sont 100% alpaga. Dans la boutique ici, j'ai une variété de produits. J'ai des produits que je fais moi-même, que vous avez vu toutes les étapes de confection. Donc, on parle des produits feutrés. Ça, c'est un exemple justement d'une petite cape. Puis j'ai toujours des petites broches aussi, des petites broches feutrées que je rajoute sur mes produits, sur mes créations. Et là, celui-là, bon, il y a un petit papillon à l'arrière. Dépendant de mon inspiration du moment, fait que chaque produit est différent. C'est toutes des créations uniques. Ce qui fait que c'est vraiment le fun pour les gens de porter ça parce qu'ils savent qu'il y a un produit exclusif à chaque fois.